De l'eau, ma chiquita? Viens vite. Viens, ma fille. Allez, ma fifi. Où l'on y est, qui est où? Allez, vous venez? Allez! Allez, venez vite! Allez, on monte! Allez! Allez, Inaki, on vous suit! Allez, grimpez! C'est bien quand tu peux les lâcher un peu, il n'y a personne! C'est moi qui ai du mal à monter! J'étais prêt à te pousser derrière! Margot, t'as du mal! Donc là, je pars, je n'ai pas emmené mon Blue Yeti, bien sûr! Donc pour les sons. Hop, et c'est reparti! On est à l'ombre, il fait un peu moins chaud. On en est tout ce qu'il fallait pour les toutous, de l'eau, le ventilateur de poche. Et pour moi aussi, bien naturellement, pour Jean-Yves. Donc voilà, là où mon mari vient de temps en temps pour pêcher. Il n'y a personne, donc ça me convient tout à fait. Retrouver un peu de calme. Dans ce monde de brutes. Donc une petite table avec... il n'y a plus de bancs. Les bancs ont disparu. Donc voilà. Un très joli sous-bois. Bien frais pour les toutous et pour nous. Rien de tel. Écoutez-moi ce calme. Et le ciel à travers les cimes des arbres. C'est magnifique. Bon, ça c'est Jean-Luc qui gronde les toutous parce que Chiquita a tendance à ne pas obéir. Il faut faire très attention parce que si elle rencontre un chien, elle veut toujours se battre. Elle nous protège puisque à l'intérieur, quand il y a des chiens, il n'y a rien. Juste quand on est dehors, elle a tendance à vouloir nous protéger. Donc ne cherche pas à comprendre. Dès qu'on croise un chien, bah, Alphonse, que ce soit un gros ou un petit, une femelle ou un mâle, elle ne fait pas la différence. Alors que quand on l'amène au toiletteur ou au vétérinaire, il y a d'autres chiens, elle ne dit rien. Que dans la nature. Ils sont magnifiques ces toutous. Ce que vous entendez, c'est ma bouteille d'eau qui bouge dans mon sac. Je parle plus, je vous laisse écouter un petit peu le silence. Car le silence, ça s'écoute aussi. On peut être attentif. Attentif. Je viens de voir ce qui se passe. Ça va, moi j'écoute, il n'y a rien. Je vais écouter les feuilles à mes abonnés. Il n'y a rien, maman va bien.
Tout va bien, mes chéris, tout va bien. Ah, l'amour des animaux. Tout va. On repart, tout va bien, tout va bien. Oui, tout va bien, mon cœur. Allez, venez, on repart. C'est bien, mes chéris, c'est bien. Allez, tout va bien. Hop. Allez, mon Inaki, on va se reposer un petit peu. On va essayer de trouver un petit coin pour s'asseoir. Un petit ruisseau, pas bien grand, mais qui permet de se rafraîchir. Attendez le souffle de ma chiquita. Tout pour boire. Petite pause, hein. Pas tomber, Margotte. Bah, attention. Allez, même moi. Mais bois. Allez. Allez, chouchou. Bien, c'est très bien. Keka, tu viens boire aussi? Viens. Allez, viens boire. Il est chaud, hein. Les mouches sont partout. S'il y a trop chaud, nous rentrerons. Il y a quelques années de cela, il nous avait fait un coup de chaleur. Je fais très attention. Allez, Chiquita. On boit bien, donc c'est bien. Donc voilà, oui, on est en pleine forêt, on se boit. Il fait bon sous les arbres, hein, donc on va faire une petite pause pendant un petit moment pour qu'on reprenne tous nos esprits, que notre corps refroidisse un peu. Un petit peu d'eau, donc ça ramène de l'humidité. Tout le monde est content. Donc ça veut dire qu'il devait y avoir un petit ruisseau là, non? Ouais, ça descend. Ouais, ça se voit. Voilà, on est très calme. Ça fait du bien. Bon, après, il y a le soleil. Hein, je ne sais pas si on fait demi-tour. Le soleil et moi, on n'est pas très copains. Allez, venez. On va essayer de reposer un peu. Oh, faut que tu dises que tu arrives. Madame n'aime pas l'eau. Ouais, ça va, on se repose un peu, allez. Voilà, je vous dis à tout à l'heure si je trouve des endroits. Beaux endroits. Donc là, nous sommes à Montmirail. À Montmirail, dans la Drôme. On est toujours dans la Drôme. Oui, c'est là. Ouais. J'étais pas loin de lui. Donc à Montmirail, hein. On va peut-être rencontrer les visiteurs. Ouais. C'est pas Montmirail aussi? Oui, mais c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même, non, mais un peu d'humour. Bon. On repart un peu. S'il y a trop de soleil, on fera demi-tour. À tout à l'heure. Je prends un peu d'énergie de ce bel arbre.
Oui, quand il y a un canard, il y a des toiles d'araignée. Petite pause avec Jean-Yves, ça leur fait du bien. Je vois que Chiquita, c'est... Ah, elle est pas bien longue la pause. On sent la fatigue, hein, les chiens marchent beaucoup moins vite. Bien ma Chiquita, ça leur fait du bien, comme à nous d'ailleurs. C'est beau la nature. Ça fait tellement du bien au moral et au corps, à l'esprit. Tout le monde m'attend. La Chiquita arrive. On ne peut pas s'arrêter sans qu'ils viennent voir ce qui se passe. Ils sont trop beaux. La mort des animaux. Petite pause parce que là, et lui aussi. On est tous un peu fatigués. On dirait pas, mais on a fait pas mal de kilomètres. On n'est pas très loin de la maison, donc le retour sera... T'es à moins de 20 km de la maison. Moins 20 km, donc... Puis il y a la clim, donc pour les chiens et nous, bien sûr. Ça ira, avant d'attaquer une nouvelle semaine. Donc voilà, c'est calme, hein, il n'y a vraiment personne, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Le signe des arbres, j'adore. Pourquoi ne pas se réincarner en arbre? Il y a Rose Inaki, il est à côté de moi. Ça te fait du bien, Inaki. Et ma Chiquita, viens vite, viens. Chiquita, viens. Oh, il fait chaud. Oh, il a chaud, ma fille. Oh. On va dire plutôt ma petite fille. C'est plutôt ma petite fille. Puisque, comme si vous me suivez, vous savez que c'est le chien de mon ange Nicolas. Ça me fait du bien. Oh, il était chaud. Il était chaud. Oh, il était chaud, ma fille. Allez, on se repose, ça va nous faire du bien. Moi aussi, d'ailleurs. Allez, couche-toi un peu, Inaki. Oui, il veut pas. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève les saletés qu'il a mis dedans, parce qu'il essaye de boire plein. Mais... il a mis plein tellement de saletés que j'ai pas envie que c'est tout. Inaki, il boit beaucoup, par contre. Non, il veut pas. On a trop bu. Il est toujours à côté de sa copine. T'as des bisous? Et de temps en temps, ils se font des bisous, c'est trop mignon. Oh, pardon. Oh, merci, ça fait du bien. Je l'ai pas fait exprès. Non, mais ça fait du bien. Ça rafraîchit. Elle a essayé de se sauver, t'as vu, pour pas être mouillée. Mais... donc voilà. Notre petite balade du dimanche. Moi, je resterai assise. Pendant des heures, mais j'enlève lui. Non, mais on va aller plus bas, s'asseoir. Et pressé de faire voir son étang. Non, mais tu l'as déjà vu. C'est juste s'asseoir au bord de l'eau. Ouais, allez, on va aller s'asseoir au bord de l'eau. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors là, nous allons traverser un petit pont. Je trouve cet endroit super joli. Petit pont en bois. Toujours sous les sous-bois. On entend un petit peu les oiseaux. Ruisseau tout en bas.
vraiment un vieux pont en bois. J'aime beaucoup. Donc je vais emprunter un petit pont en bois. Ils m'ont abandonné, tout le monde est... Non. C'était surprenant qu'on me laisse. Donc comme vous pouvez le voir, un joli petit pont en bois. Juste derrière moi. Là, j'entends un toutou qui vient voir ce qui se passe. Vraiment très très joli. Je pense que c'est mon inaki, rien qu'à la respiration. Ouais. J'arrive, mon inaki. J'arrive. Tu fais tout ce trajet pour rien, mon cœur. J'arrive. Inaki ? Oui, après on va rentrer. Donc voilà, on va emprunter ce petit chemin. Vous me suivez ? Allez, c'est parti. Allez, Inaki, je te suis. Allez, viens, mon cœur, après on rentre à la maison. Tu vas bien dormir ce soir. On y va ? Allez, hop là. Puis j'arrive, Inaki. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est agréable. J'arrive, mon cœur. Voilà, soleil. Ah, Chiquita qui vient voir ce qui se passe également. Je vais écouter un truc de bruit de l'air. Allez, on repart. Là, avant de rentrer, une petite halte devant ce bel étang. Comme vous pouvez le voir, hélas, je ne sais pas si vous le voyez, il y a beaucoup de lumière. On aperçoit deux éoliennes, trois éoliennes même. C'est dommage, mais enfin. Non, avec la lumière, vous ne voyez pas. Il y a six éoliennes en tout. On les entend juste un petit peu, donc ça va. Et l'étang où mon mari vient pêcher de temps en temps. Moi, je suis pas du tout pêche, donc il vient tout seul. Avec les toutous, c'est pas possible. Parce que les toutous ont tendance à plus m'obéir que lui, donc... Donc voilà. Petite pause. Je m'assois avec vous. Bonne petite balade, bien fatigante. À la maison. On va attaquer une nouvelle semaine. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Bon courage à tous les enfants qui vont reprendre jeudi, je crois. Donc bonne rentrée à tous et toutes. Je ne sais pas si vous entendez avec le vent. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous. Bon courage. Bisous. Deuxième fois. Au revoir.